Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien, toutes et tous, et puis ça fait plaisir de vous retrouver ce soir pour cette capsule. Semaine après semaine, puis j'allais dire presque jour après jour, nous nous retrouvons pour les cultes, pour les capsules, pour les cours alpha. Et c'est évident que ce n'est pas la même qualité relationnelle que si on était en présence les uns des autres, mais néanmoins, on peut garder ainsi un petit lien qui nous réunit et qui nous fait nous retrouver comme ça par petites étapes durant la semaine. J'aimerais aussi rappeler la chaîne de prière, qui est aussi un moyen aussi de pouvoir nous porter les uns les autres dans ces moments un petit peu compliqués que l'on vit. Et puis j'aimerais vous encourager à interagir. Interagir soit lorsque vous regardez une capsule ou un culte en direct, soit quand vous le regardez en mode différé, peu importe, mais envoyez-nous des petites remarques, vos questions, vos commentaires. Tout ça, ça nous fait du bien aussi d'avoir des échos. Tout au début, on a eu pas mal de vos réactions, et puis au fil du temps, on en a quand même moins, même s'il y a toujours beaucoup, beaucoup de vues sur les vidéos qui sont faites, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser une question. Comme nous le rappelle le cours Alpha, toute question est importante et toute remarque va nous aider à mieux faire. Alors je lance une question pour dimanche prochain. Quelle décoration mettre en place? Quel fond de salle est-ce que vous voudriez voir pour le culte de dimanche? Alors, si vous pouviez nous donner vos idées, par exemple, avant samedi soir, ça serait intéressant. Et puis, une idée aussi réaliste, parce que suivant ce que vous nous proposez, ça sera peut-être compliqué à réaliser. Voilà. Ça, c'était une chose. Et puis, d'autre part, si vous avez un cœur, un texte ou un thème, ou même si vous voulez venir ici pour apporter une capsule, bah c'est très volontiers que l'on reçoit votre demande. Voilà, passons à ce soir. J'ai découvert une vidéo il y a quelques années, une vidéo qui m'a beaucoup inspiré, surtout pour le catéchisme à l'époque. C'était un bon moyen de pouvoir aborder la question du salut avec les jeunes et puis de pouvoir avoir une base de conversation, de relations, de discussion avec eux sur ce thème. Et en pensant à ces capsules, il y a quelques semaines, je me suis rappelé de cette vidéo et je m'étais aussi souvenu qu'elle était en anglais. Et je me suis dit, bah, ça sera l'occasion de la reprendre et de refaire la bande-son en français. Et heureusement pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, les producteurs l'ont fait à ma place. Donc c'était tout bon. Donc j'aimerais vous présenter cette vidéo ce soir. Elle est à la fois explicite, en même temps, elle nous encourage à développer une relation avec Jésus-Christ, avec ce Dieu d'amour qui restaure nos vies. Je pense qu'on peut dire que Dieu est le Dieu du recyclage, de l'écologie par excellence. Il ne laisse pas nos vies en morceaux. Il les recycle avec amour pour qu'elles soient encore plus belles après qu'avant. Il met en nous son Esprit Saint pour nous garder connectés avec lui-même, pour manifester sa présence en nous. Alors je vous laisse découvrir cette vidéo et je vous retrouve dans 4 minutes et 7 secondes. Toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés. Chacun est unique et je les ai tous créés. J'ai tout créé, l'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose.
combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu? Je ne veux pas que tu meures. Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Me suivrais-tu? Continue la conversation. Voilà. Vu comme ça, c'est un peu rude, hein? C'est un peu rude, non? Ce que j'ai lu dans la description de ce petit montage, c'est un encouragement à développer notre relation et notre intimité avec Jésus, avec ce Dieu qui nous aime au point de donner sa vie, de porter toutes nos fautes, hein, comme on l'a vu dans la vidéo, de nous pardonner et de nous restaurer. Parce que son désir le plus profond, c'est d'avoir une relation avec nous. Je suis parfois surpris de découvrir à quel point j'ai vite fait de couper la ligne avec Jésus, de laisser les suggestions du Saint-Esprit de côté, ou de penser que mon idée est meilleure que la sienne, ou que ma pensée est sa pensée, voyez ? Alors à décharge, je reconnais aussi que ce n'est pas toujours évident de bien comprendre ce que Dieu désire nous dire. C'est parfois tellement éloigné de nos pensées, de nos logiques humaines, de nos raisonnements, que ça m'échappe. Alors pour conclure, je vous laisse, comme dans la vidéo, continue la conversation avec Jésus-Christ. Développe ta relation avec lui. Laisse-le t'aimer tellement que tu auras envie de partager cet amour autour de toi. Et si c'est déjà le cas? Et si tu fais cela depuis des années déjà? Alors, je t'encourage à continuer la conversation avec Jésus. Parce que lui, il veut t'encourager bien mieux que je ne saurais le faire. La seule chose qui est en mon pouvoir, eh ben, c'est justement de t'encourager à toujours plus développer ta relation avec Jésus, avec lui. À toujours plus expérimenter le dialogue avec ce Dieu d'amour qui désire rejoindre tellement de monde autour de nous. Alors, pour terminer, j'aimerais te souhaiter une bonne conversation avec Jésus, une belle nuit, dans sa paix, dans sa joie bienfaisante,
Et puis je te dis à demain pour les cours alpha, je te dis à jeudi pour une prochaine capsule, je te dis à dimanche pour le culte, et je te dis bonne nuit.